C'est tout simplement la mousse qui permet de bronzer avec le gant. Donc je me suis recommandée ici parce que j'en ai à Dubaï, mais j'avais pas envie de tout transporter. Les crèmes solaires, donc ça j'ai déjà utilisé la crème solaire 50 aujourd'hui. Je reste au bord de la piscine. Le SPF 30 aussi. L'huile bronzante, monoï et choco. Alors ça, mon frère et Thibault l'ont utilisé toute la journée. Il est déjà ouvert parce qu'ils l'ont utilisé aujourd'hui. Voilà. Ils l'ont démonté. Ils sont trop beaux, ils sont. Voilà, je les ai snipés de loin tous les deux en train d'utiliser mes petits produits. Tranquille, posé comme ça. Gants pour faire l'exfoliant. On a l'huile qui sent le biscuit. Les petites gouttes pour le visage. Je sors de la douche et du coup, mettre un petit peu les gouttes d'huile pour être un peu bronzée au niveau du visage demain matin. Voilà, donc ça se présente comme ça. Il suffit de mettre quelques petites gouttes. Moi, je mets toujours dans ma crème de nuit. Une fois que vous avez pris votre crème de nuit, vous venez y ajouter des petites gouttes. Attendez, je galère. On va venir mélanger. Moi, j'aime bien mélanger avec la crème de nuit tout le temps. Une fois qu'on a bien mélangé, on va appliquer tout simplement comme ça. Vous pensez bien faire toutes les zones du visage. Et demain matin, j'aurai le visage tout bronzé, tout allé. Voilà, tout simplement comme ça. Passez bien partout. Essayez d'oublier zéro zone pour que je sois bien homogène. Top, le visage, moi j'ai tendance à être très blanche. Comme je n'ai plus trop maquillée de l'été. À Dubaï, c'est vrai, je ne le faisais pas parce que comme j'étais toujours maquillée, mais là je sais que je vais passer mon été démaquillée. Donc voilà. Tout simplement, c'est trop génial. La mousse comme ça que vous appliquez avec le gant pour le corps, comme je fais d'habitude, vous mène avant après. Donc voici la vidéo de mon avant. Voilà. Tout à après 8 heures de pause, franchement, il n'y a pas photo quoi.